lors de votre premier baiser, souvenez-vous, le premier French kiss, comme disent les Chinois, votre chérie a trouvé que vous embrassiez comme une débutante, comme une déesse ou comme une ventouse? Je vais pas me la jouer comme une déesse. Ok, ouais. Mais je vais pas me la jouer. Ouais. Eh bien, vous pourriez, car oui, c'était comme une déesse. Caroline. Je vais faire comme Sophie. Je vais dire, j'espère pas me tromper, comme une déesse. J'espère pas non plus. David. Ouais. Et alors, pour Mélissa. Ben, j'espère pas me tromper non plus, comme une déesse. Anthony. Alors, je serais tenté à dire une ventouse, mais je pense pas que ça va lui plaire. Non, je veux dire comme une déesse, parce que attention, c'était un après, très très long baiser. Le but, c'est pas forcément de lui faire plaisir, c'est d'être le plus près de la réalité pour essayer de marquer le point. Et là, c'est la question venue, ça le vaut 15 points. Je reste sur ma première... Comme une déesse. Ouais, comme la déesse. Ouais. J'ai eu peur. Lequel de vos petits défauts a-t-il assez vite repéré, Anthony? Alors, je pense qu'il a vite repéré. C'était ma jalousie, je pense. Pour donner un exemple, au tout début qu'on était ensemble, on s'était fait une sortie donc en boîte de nuit, qui est tout près de chez moi. Et à ce moment-là, Anthony buvait un verre, il parlait avec le patron de la boîte. Et à ce moment-là, il y a une danseuse, bien évidemment, lui, il est grand, on le voit. Elle va parler à Anthony et elle commence à lui toucher. Elle aimait bien observer ses petits abdos. Alors, quand on touche, on n'observe pas. Hein. Ouais, voilà. Ouais. On plotte. Hein, et moi, de loin, dans le noir, j'ai vu la scène. Donc, je suis arrivée. J'étais polie, hein, mais voilà, elle m'a vu arriver. Quoi. Petite, mais costaud. Est-ce que c'est la jalousie, Anthony? Oui. Sophie. J'hésite entre jalousie et mon côté bordélique. Donc, jalouse... parce qu'il y a ses ex. Ouais. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a, oui. Comme il est vraiment très maniaque, je dirais bordélique dans ces cas-là. Alors, Florian, c'est rien de tout ce dont vous nous avez parlé. Oh et... c'est quoi? T'as osé? Allez, c'est à vous, chère Caroline. Alors, je suis quelqu'un de très entière. Donc, quand j'ai des choses à dire, je dis. Un petit exemple. Première fois où on s'est rencontrés, où je suis venue chez lui, je ne le sentais pas très bien. Je lui dis, il y a quelque chose qui te dérange. Il me fait, oui, je ne sais pas trop. Peut-être que... J'ai dit, tu veux que je parte? Oui, ben oui, je veux bien que tu partes. Je lui dis, ben, je te préviens que si je pars, je ne reviens pas. Hein. L'écoutez pas. Voilà. Ne l'écoutez pas. Donc, il m'a rappelé au bout de... 30 secondes. Enfin là, sauf qu'on parle de vos défauts à vous. Attendez. Ah. Donc je m'en vais. Oui. J'ai dit, je reviens pas. Il me rappelle, je reviens pas. Et je suis revenue quand j'ai décidé. Donc, je suis... Têtu. Je cache, têtu. Enfin, je sais pas trop comment on peut le... Caché, têtu. Ça nous va. De toute façon, David, à l'arrivée, il est pas parti sur ça. Donc... Ah oh ouais, c'est pas faux. Eh oui, il y en avait tellement.